Pour les observateurs de l'Union européenne, les électeurs sénégalais ont eu un comportement responsable. La mission de l'UE compte observer le second tour. Thaïs Berman, chef de la mission européenne, au micro de Maïmouna Ndiaye, la caméra d'Atanarba. Le premier tour des élections présidentielles ont eu lieu dimanche dernier, après une campagne préélectorale inhabituellement tendue. Les violences et les morts que nous déplorons ont fait craindre un dérapage plus dramatique encore. Les inquiétudes étaient vives et nous nous inclinons évidemment devant le deuil des proches des décédés. Nous avons pu travailler, nous 90 observateurs, avec les autorités sénégalaises de façon très très constructive et cordiale. Dans la longue histoire des missions d'observation de l'Union européenne, il est rare de trouver une telle qualité de coopération et de dialogue avec les instances concernées par les élections. Cette coopération, nous espérons la continuer dans le même esprit pendant la campagne pour le deuxième tour de ces élections qui se profilent.